Et il m'a demandé, que désires-tu? J'ai dit, le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Ah ouais, toi, la DJ d'Aroko, besoin de mes bandes, maman, ratou, maouton. Le Seigneur a réjoui mon cœur et je veux le partager avec le peuple de Dieu. Je m'appelle Bankole Kemi. Non, Godomé, fille. J'habite à Godomé. Donc, et ouais, mais nos vies, bah ouais, Dieu, au bloc 4 ans. Je suis dans le besoin du fruit des entrailles il y a déjà 4 ans. Donc, moi, Wabé a Gondi Phil en 2019. C'est dans les années 2019 que j'ai connu une porte de vie. Donc, on a eu de bon. Parce que nous avons eu de bon, nous avons facilement. Mais, on va prendre une décision. Nous avons eu de bon, nous avons eu de 12 ans. Bon, non, j'en divio. Et j'ai quand même moi divié en 2017 pour Vioran, au coup de la bouche. Avant que je ne connaisse Port de Vie et avant que je ne commence pas désirer le fruit des entrailles, j'avais déjà eu deux grossesses et je les avais eues sans même prendre de médicaments. J'ai un enfant qui a 12 ans déjà et en 2017, j'ai fait un enfant qui n'est plus. Quand tu as pris une pause et tu t'es décidé maintenant à faire d'enfant, ça fait 4 ans et la grossesse ne venait plus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Donc, quand je suis venu ici et que j'ai discerné l'option qui repère ici à Port de Vie, je me suis dit avec conviction que certainement je vais recevoir ma part. Donc, plusieurs fois, papa non localisé mon don vivito et non y a ordonné un midi. Plusieurs fois j'ai été localisé et le prophète prophétisait sur moi disant, reçois ton bébé. Donc vendredi réveil passé de mi bloo vendredi papa le ministre a bologé meleke melelo des melelo tro fiton là ni wa nous confie quoi. Ce qui m'a le plus étonné, et cette fois-ci maintenant, c'est lors du réveil passé. Et c'était le vendredi, quand on était venu, l'homme de Dieu avait demandé aux femmes qui étaient dans le besoin du fruit des entrailles de venir devant. Et il a dit de le fixer que nous reviendrons ici témoigner. Mami, regardez-moi. Tends ta main vers moi. Que tes pensées reviennent chez moi comme si tu reçois ton bébé de mes mains. Un. Deux. Trois. Trois. Yes. C'est puissant. Regarde ça. Beaucoup de va et reviens avec le témoignage. Donc, il a relâché des bébés sur nous. Donc, mandolmino. Après 2 semaines, on dit sous rouge. Je vais simplement vous dire qu'après le relâchement des bébés par le papa bébé ici, 2 semaines exactement après, j'ai commencé par sentir des nausées et je vomissais. Wow. Et donc, l'homme de Dieu avait demandé à ceux qui étaient dans le besoin du fruit des entrailles de venir devant. Et il a dit, fixez-moi bien. Non, relâchez. Je vais relâcher quelque chose sur vous. Bon, et après le relâchement, vous allez revenir ici témoigner. Bon, 2 semaines qu'on a dit, sous-soudi. Exactement 2 semaines après, tu as commencé par vomir. Jusqu'à présent. Kaka j'ai dit, alors, sous-soudi. Tu vomis. Tu sens quelle odeur actuellement. Tout quand je sens les odeurs, cela me donne les nausées. Même en parlant maintenant, j'ai le cola dans ma bouche pour que je ne crache pas. Regardez ça. C'est tout frais, frais. C'est tout frais là. Tout frais. C'est deux barres rouges.
Montrez aux téléspectateurs qui nous suivent sur POC TV. C'est de la réalité. Ce n'est pas du mensonge. L'homme de Dieu a relâché. Voilà les images qui vont passer. L'onction est tombée sur eux. Certains ont chuté. Et après qu'elles sont relevées, voilà les fruits. Voilà les fruits. Elle dit qu'elle vomit jusqu'à présent. Quand la femme tombe enceinte, on voit, on sent qu'elle brille. Vous ne voyez pas avec moi. Aïe, 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 acclame très fort Jésus. Sœur Kemi, quel message tu as à l'endroit des femmes stériles? On les insulte matin, midi, soir. On leur dit que tu es venu manger notre pâte seulement. Tu es venu manger notre pâte seulement. Tu ne fais que grossir. Lance un message à ces femmes. Je veux dire à ces femmes qui sont dans le besoin du fruit des entrailles, est-ce que vous êtes ici à Port de Vie ou bien vous nous suivez sur Port TV? Quel que soit où vous êtes, je vous demanderai de vous connecter et vous allez recevoir forcément votre miracle. Et si vous... Si vous me suivez sur Port TV, je vous demanderai de venir à l'église évangélique Port de Vie. Ce n'est pas perdu du tout. C'est à Cotonou, précisément à Godomé, derrière le cimetière PK 14, 3e rue, derrière le centre de santé Tabitha. Quoi qu'en soit, problème, des problèmes anciens, mon solution, le fils, tiens, ouais. Quelle que soit l'ampleur de vos problèmes, si vous venez ici, certainement vous aurez la solution à vos problèmes. Et il m'a demandé que désires-tu, j'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je m'appelle Bagiri Sakina. Je viens d'Agla. Dieu m'a fait un grand miracle et je veux le partager avec le peuple de Dieu. Depuis 8 ans, j'étais dans le besoin du fruit des entrailles. Ça pèse là. Hey, 8 ans. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Et Azomi, Sakina. Sakina, allez-y. C'est 8 ans, fitele à Kabon. Depuis 8 ans que tu étais dans le besoin, tu es allé à quels endroits? 8 ans. De Wasuweo. Nous finions à Togomoe. Antemo combo tête de nos tioa. Depuis 8 ans que je me suis mariée et que tu as rejoint mon mari, je n'ai même pas eu un semblant de conception. Nous sommes allés dans un hôpital. On m'a fait une échographie. On a dit qu'on a détecté des kystes. Qu'on va me faire un traitement et si cela ne marchait pas, on va devoir m'opérer. On a traité et ils ont dit que ça a marché. Ils ont dit maintenant on va déboucher tes trompes. On l'a fait la première fois, ça n'a pas marché. On l'a repris une deuxième fois, ça n'a pas marché. On l'a fait une troisième fois sans succès. Quatrième fois pareil.
Tu dis ainsi qu'on a débouché tes trompes 4 fois successivement. Et marché. Pourtant, ça n'a pas marché. Rien n'a signalé. Rien n'a signalé. C'est niengue. Rien n'a signalé. Bon, et t'es cadre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, bien à son bon, à ce que je dis, mais que trompe pas, parce que je suis allé à l'école. Après ces 4 fois qu'on a débouché les trompes, je suis tombé malade. Et pourtant, on m'avait demandé de revenir une 5e fois. Mon mari a dit non. Bon, mais qu'ablo a mansi, mais oui, mettons, vous. Est-ce que vous avez fait des tisanes par hasard? Il a mansi, mais c'est fille de bois. Il a mansi. Quand on entend parler d'un endroit et on parle de tisane, on va et on le fait. Non, il y a fille de bois de dormir. Il n'y a aucun endroit encore sur le territoire béninois. On les a tous parcourus. A mansi, on était si vert, si vert, qui m'a dit, bon, on bloque, tiens, ouais. Quel que soit le coût de la tisane ou bien le goût, nous le faisons quand même. Ni moi, bon. Ben mansi on biblo mais wa quand il connaît les bojan bla mansi camion et ton les no marché et ton marché berrière. Quand je vais quelque part et fais des tisanes, les femmes avec lesquelles là je me rencontre dans le lieu, elles tout ça marche pour elles, même moi ça ne marche pas. Bon aussi en mansi c'est un parcours à forte moi en les voir des bodo baviona. Après les tisanes, quels sont les pas que tu as eu à faire dans ta recherche du fruit des entrailles? On a dit qu'il y a un serpent dans la maison de mon père. Mais de moi. Qui t'a dit ça? Mais de ma siblon mien, wa la mina kon. Bo amasi mi ay fi roko bo jambla masi. Bo me yo wa do mi do je tande ro toche kwe. Bo nyina i toche me mra e ho de ro ton. Finalement, on a été voir un monsieur qui devait nous faire une tisane et lui en consultant les esprits, les génies, il a dit qu'il y a un serpent dans la famille de mon père et je devais aller là-bas prier pour ce serpent. Est-ce que tu as prié pour le serpent et qu'est-ce qui s'en est suivi? Quand on me l'a dit en même temps, j'ai fait une réservation du bus, j'ai été dans mon village. Bon, il tombe au micro d'un temps. Et on a prié pour le serpent. Bon, wa wegbe. Je suis revenu chez moi. Wa wegbe, mi bla mansion et ma chère. On a refait les tisanes, mais toujours cela n'a pas marché. Mais ni do et ma chère. Et ma chère. Donc mon là do et comme ma chère. Et ma chère. Tion. À quel moment tu as connu l'église évangélique Porte de Vie? Tante, il y a une tante qui venait ici. Bon, et sans message mars 2021. Et un jour, j'étais à la maison et je dormais déjà quand il faisait nuit. Et ma tante m'a envoyé un message me disant, le 20 mars, il y a un programme à l'église à Porte de Vie pour le fruit des entrailles. Bon, moi. Et je suis venue. Bon, de moi, nous, troisième position, au final, mon papa a localisé. J'étais venue ce jour, le 20 mars 2021, j'étais devant et j'ai été localisée par l'homme de Dieu. Alors, vite, moi. Et il a dit, ma fille vient. Ton utérus qui est là n'est pas bon. Viens que je te donne un nouvel utérus. Quand je suis venu, l'homme de Dieu a prié pour moi. C'est comme ça que j'ai continué par venir à Porte de Vie. Je venais. Et un an après, dans le mois de mars 2022, je priais et je disais, Seigneur, le 20 mars, cela fera exactement une année que j'ai connu Porte de Vie. Tu dois me changer de nom. Et le vendredi du réveil du mois de mars, l'homme de Dieu déclarait, ceux qui sont dans le besoin du fruit des entrailles, venez devant recevoir votre bébé. Et l'homme de Dieu déclarait, même si vous n'êtes pas tombé, vous avez reçu votre bébé. Je vous donne 3 mois, disait-il. Regardez-moi. Tends ta main vers moi. Que tes pensées reviennent, c'est moi comme si tu reçois ton bébé de mes mains. Hein? Hein?
1, 2, 3. Power. Yes. Hey, c'est puissant. Va et reviens avec le témoignage. Bon, papa, on a 3 mois, bon, on a 3 mois, mais au moins, là, on a 3 mois, le titre du mangeant, il fait. Et quand j'ai rejoint ma place, j'ai continué la prière disant, chaque fois, l'homme de Dieu, 3 mois, même moi, pour ce mois-ci, c'est maintenant que je reçois moi, mon bébé en même temps. Je continuais pas à prier, je disais à Dieu, 20 mars, je ferai une année à Port de Vie, change-moi de nom dans ma belle famille. Et je guettais mes menstrues, elles ne venaient pas et je regardais la date. 31. Et c'est arrivé au 31 mars. Bon, aussi boutique bochawe, bon hôtesse. J'ai quitté ma boutique, je rentrais, j'ai payé un test de grossesse. Bon, fond premier vers 4 heures, les mons. Le 1er avril, aux environs de 4 heures, j'ai pris. Bon, le test. Le test, je l'ai fait. Bon, puis we got to Gantia. Le second train n'était pas clair. Bon, jodo bo son, why hode fou. J'ai laissé, et hier 5 avril encore, j'ai repris le test. J'ai fait ça ce matin très tôt à 4 heures du matin. Et quand j'ai repris le test, les deux barres étaient bien rouges. Aïe. Est-ce que tu peux te lever à travers ta porte de Jésus? Si tu es bon, pas la rôle de Jésus. Regardez-moi ça. Huit ans. Ça se célèbre. Les serpents n'ont pas pu donner. Dans les péobonas. Les féticheurs n'ont pas donné. Les tradis praticiens n'ont pas pu donner. Le Dieu sexe sans mélange. Le Dieu sexe sans mélange. Le Dieu du prophète François Xavier à la paix. Attendez ça. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Waouh. Regardez ça. Et il m'a demandé que désires-tu. J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. Je me nomme Lou Octavia. Je viens de Godomé. Dieu m'a fait de grandes choses. J'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Il est arrivé depuis que j'ai l'âge de 14 ans et mes premiers menstrues sont venus. J'ai constaté que j'ai commencé par souffrir d'une infection. Les pètes blanches et jaunes coulaient de moi. Ça persistait jusqu'au point où j'ai accouché, mais cela ne cessait pas. J'ai été à l'hôpital malgré les soins, je ne trouvais pas de satisfaction. En février, mais sauf le Gandia, même moi, prière au fil. À un moment donné, nous sommes venus à une séance de prière ici. Bon, papa, alors que nous avons l'aide au fil, que nous avons compté 15, et nous avons 15. Et l'homme de Dieu déclarait, il y a environ 15 femmes ici actuellement. Ça peut même être augmenté. Elles sont là actuellement. Bon, infection, nous avons gagné, nous avons. Et l'infection les dérange de s'avancer vers le devant. Effectivement, on était nombreuses, on était venues devant et l'homme de Dieu avait prié pour nous. Depuis ce jour jusqu'à présent, l'infection a disparu. Les pètes blanches ont disparu. Les pètes jaunâtres aussi ont disparu. Wow. C'est Octavia, depuis que tu as 14 ans. Nous venons Octavia. Tu as quel âge aujourd'hui?
On va estimer le nombre d'années que cette maladie a duré. J'ai 26 ans actuellement. Donc, 12 ans environ. 12 ans. Que tu traînais ce mal. Mais il a suffi une seule journée. Pas même une seule journée. Quelques secondes. Quelques secondes. Et l'homme de Dieu a déclaré que les infections soient guéries. Donc depuis ce temps, quand tu es rentré, tu n'as plus jamais retrouvé ça. Wow, est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? C'est Octavia. Octavia. Maintenant, dis-moi, comment tu te sens actuellement? Les traitements que tu as faits. Mais pendant 12 ans, on a prononcé une seule parole. Tu es guéri. Lance un message. Dis tes impressions. Avant d'adresser mon message avec nos chers téléspectateurs, ce témoignage que je viens de donner est comme insignifiant. Mais en moi, c'est une grande chose que Dieu m'a faite. Parce que si des gens ont une infection, le fibre n'en a pas. De là, nous voyons moins. Parce que si des gens sont ici qui souffrent des maladies d'infection, il y a d'autres pètes qui sentent. Mais mon mère, ni son, moi j'attends. Mais voyez-vous, quand je m'habille, je m'apprête pour sortir. N'importe quelle chose que je dois porter, même mon dessous, je dois mettre du parfum. Parce que des odeurs nauséabondes sortaient. Mais disons, alors au pogain nous soulager, nous à l'aise, nous mais actuellement, une seule déclaration, une seule main élevée, et je suis totalement soulagé. Vous entendez ça? Mais aussi c'est vrai. Même ton dessous, tu mets parfum dedans avant de sortir. Tu cotovis tu es là, les dodo dos, alors les faux parfums demain. Tu vois notre pour ne pas sentir parmi les gens. La voix ni moi ouais on a de mêler tête yo dit de à son fou parfum et bia mais tu ne mets plus des parfums un fou parfum d'eau quand vous t'as à son fou parfum d'eau tu as mis des parfums dehors pas là bas choqué choqué hein non je ne mets plus de parfum. Alors, est-ce que tu peux acclamer ce Dieu puissant? Notre Dieu est vivant. Maoumiton Lobé. Et il m'a demandé que désires-tu, j'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.